Donc, bon, apparemment, on va corriger l'exercice sur le MP3 ici, donc qui faisait mention d'extraire. Bon, on a déjà extrait le fichier révision musique et on y a donc les MP3 et on avait vu que grâce à la commande MP3 info ZG, en passant l'argument ZG, j'ai réussi à avoir l'information donc sur le système, sur le MP3, ce qui est dans le header, donc les ID3 tags. Et on voit dans le cas présent, bon, que bon, c'est une musique de style reggae. Il y a aussi un petit peu de polka. Je sais pas si vous l'avez écouté là, ou vous avez juste fait les exercices. Ouais, il y en a quand même qui s'en va trop mal, hein. Ok, mais j'avais quand même mis un petit peu d'électro puis de classique. De toute manière, on va aller voir un peu les genres qui nous sont disponibles. Donc, si je fais MP3 info, bon là il y a plusieurs manières de le faire, hein. Donc, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Je peux toujours faire MP3 info étoile pour MP3. Donc là, ça me donne tous les styles. Mais en fait, ce qui me cause un petit peu problème, c'est les retours de chariot. Et ah ouais, j'aurais dû compliquer le truc. Toi, j'ai pas pensé à faire. Excusez. C'est que le genre ici, je peux toujours faire un grep sur le genre. Grep genre, par exemple. Là, on voit que ça change en fait la longueur. Parfois j'ai des espaces. C'est difficile de faire, de couper. Enfin, on pourrait faire couper aussi sur les deux points, mais je pourrais avoir le mot genre à l'intérieur du titre de la chanson ou genre à l'intérieur du nom du groupe. Donc bien que je puisse quand même faire grep, excusez, cut moins d. Je pourrais délimiter sur les deux points. Hein? Donc là, pareil, je décale un petit peu le projecteur. Hop, non, c'est bon. Hop, ok. Donc là, j'ai sur le délimiteur deux points et je pourrais prendre le champ 1, 2, 3. 3. Je vais réussir à avoir les types de musique. Là encore, là, je pourrais faire un. Le trier par espace, mais ça serait possible qu'un genre ait un espace, t'es classique, baroque, reggae, dub, reggae dancehall, reggae roots, new roots, ou autre style de reggae disponible, ou d'autres musiques optionnelles. Par contre, je vais aller jusqu'au bout de l'effort, des espaces, et là, je pense, si je fais deux. Voilà, et là j'ai là, donc, sort, parce que si je fais mon unique uniquement maintenant, j'aurai pas les mots, les types de musique se suivent pas, donc je suis obligé de faire mon sort, hein, parce que si je fais unique maintenant, on voit, polka, classique, électro, et j'ai classique qui revient, parce que le système unique ne concatène ou ne rassemble que les mots qui se suivent. Donc, classique, là il y a le mot électronique, classique, donc là il en fait comme deux distincts. C'est pour ça que si je veux qu'il y ait juste ceux qui sont distincts, sort, hop, et là tu as uniquement les types de musique qui ont été mis. L'information a disparu avant, en fait. Si je reviens, l'information, donc des crochets avec le numéro, est disparue avec mon filtre ici qui est le code de l'espace. Si je reviens, j'affiche, j'ai le numéro. Et vu que j'ai voulu enlever ce numéro-là, c'est pour ça que j'ai rajouté le code. Voilà. Cote 2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai dit le délimiteur espace ici. J'ai dit, ah, tu prends. Ben, en fait, il y en a un au début. Reggae, espace, le numéro. Donc, j'ai juste pris le champ 2. Donc, uniquement les types, les genres. Si
Oui, exactement. Là, par contre, ce que je veux, c'est créer les répertoires avec les genres de musique. Donc, je veux juste avec les noms. Oui. Oui, ça, c'est pas la meilleure solution. C'est juste quand c'est ça que je disais quand tu étais en train de tapoter au lieu de pas écouter. Non, mais donc, ça, c'est une des solutions. Donc, là, et là, avec le unique, bah, il faut que je le sorte. Je vais l'avoir. Hein. Et après, je peux utiliser xargs mkdir. Donc, là, à ce moment-là, il va passer à mkdir le résultat qui est là. Donc, il va créer. Comme je disais justement au début, c'est que le problématique, c'est qu'en faisant mon grep genre qui est là, s'il y a le mot genre qui est dans le titre de la musique, dans le nom du groupe, ben mon grep va pas être bon, il risque d'avoir des erreurs puis créer des mauvais champs en fait. Hein? J'ai pas un exemple là, mais. Imaginons si je ZG, on va essayer, on va voir ça. ZG, ZG, puis je vais rajouter le mot genre par exemple. Genre ici, je refais la même commande. Voilà, tu vois, ici j'en ai un entrée vide parce qu'il a fait une erreur, parce qu'il y avait le mot genre dans le titre du son. Tout, on voit. Alors que avant. Ouais, ça se pourrait matcher comme ça. Par contre, le MP3 info me permet avec l'option moins P d'avoir mon affichage comme je désire avoir avec des critères. Si je mets pourcentage G, je vais avoir le genre. Le numéro du genre et je vais avoir ou G minuscule, ça va me donner le nom du genre. Donc plus simple. Donc au lieu de faire toute cette commande, je peux juste faire MP3 info moins P pourcentage G étoile point MP3. Voilà. Excusez. Faut que je mette un retour de chariot parce que là ce qu'il a fait, ce qu'il m'a donné l'affichage, mais on voit tout est collé. Polka, classique, classique, électronique, classique, reggae, rock. Donc tout est collé. Donc j'utilise le symbole backslash n pour dire retour de chariot. J'ai le résultat. Même chose. Sort unique me donne uniquement les types de genres de musique et je vais faire le xarg mkdir pour créer les répertoires. Donc deux commandes, il y en a une qui est mieux que l'autre. Ça c'est une option. Tiens, je vais la mettre complètement au début. Hop. Donc ça c'est une option de commande qui peut être utilisée. On voit qu'il est quand même assez courte. Ou alors, l'autre commande. Non, ça crée juste les répertoires. Ou l'autre commande, où là j'ai beaucoup plus de code de genre avec des risques d'erreur, mais qui est quand même plus longue. Mais j'ai juste pour montrer que deux manières de faire, il y a des filtres. Là il y en a plus, il y en a moins, tout dépendant. Et beaucoup souvent, les applications offrent cette option de voir le formatage. Hein, même si on prend, par exemple, la commande find, ben je peux faire format dessus. Je sais plus exactement pourcentage. Un instant, je vais le voir. Hop, ici. Hein, printf, par exemple, quand j'utilise la commande find. Avec printf, je peux aussi encore dire bon ben pourcentage, le nom du fichier la dernière fois qu'il a été accédé, avec le format de l'heure.
Format de l'heure, l'espace qu'il prend, etc. Donc, je peux choisir mon formatage avec des pourcentages et un caractère pour avoir un layout comme je veux, pour que ça soit le plus facilement possible manipulable avec d'autres applications. Ok, ah, finalement, j'ai même pas fait la search, on vérifie. X args mkdir. Donc là maintenant, si je regarde, oups, j'ai l'ensemble de mes répertoires qui sont maintenant présents. Ok. Si on regarde la commande que j'ai fait pour lister uniquement les répertoires, parce que si je fais un ls, j'ai aussi mes fichiers. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est que quand on utilise la commande ls-l, au début, quand il y a juste un tiret, c'est un fichier régulier, et quand il y a le moins d, c'est un répertoire. Donc ce que je lui dis, liste tout, grep, il faut que ça début de la ligne d. Donc là, ça m'affiche uniquement les répertoires. C'est bon? On vous donne un peu de temps pour la copie du fichier. Ben, tu t'as créé les répertoires, maintenant tu crées les fichiers. Tu copies les fichiers dans les répertoires préalablement créés. Regardez, juste un truc là, je vais juste pour pouvoir tester vos commandes quand vous êtes en train de transpirer là. Là ça va, c'est juste un exercice là. Ouais, mais je vais juste quand même te le montrer. Là, je vais supprimer mes répertoires. Donc là, si je suis un ls-l, j'ai plus de répertoires qui sont présents. Tu peux, avant de faire ton xarg, si tu veux vérifier la commande, donc il va pas le faire, il va juste afficher qu'est-ce qu'il va faire, tu peux mettre echo devant. Hein? Donc là, il fait mkdir, par contre j'ai toujours pas les répertoires, tout ce qu'il m'a fait c'est afficher la commande qu'il allait faire. Hein, donc tout dépendant dans quelle situation je suis, est-ce que, tu sais là ça va, il n'y a pas encore trop, puis il n'y a pas trop de risques, mais si je me retrouve avec des commandes très compliquées, ok là je suis enter, ça va-tu faire, ok l'affichage devrait être bon, mais tu sais t'as un petit doute parce que là t'as rajouté une variable importante, donc avec le echo avant ça va te permettre de te rassurer. Hein, donc parfait. Alors on va y aller, donc on va copier les fichiers dans les bons répertoires. Oups, supprimer avec mes répertoires. Ok. Donc là j'ai mes répertoires. Désolé, j'étais encore sur pause là. Ça c'est la réponse. Dommage. Ouais, non, j'utilise pas un for. Oui, j'aurais utilisé un for quand on va le voir rapidement quand on va faire les scripts bash. Oui, je vais faire plusieurs lignes, mais je vais faire plusieurs commandes aussi là. Donc, je vais faire. Parce que là, le problème qu'on a quand on utilise le étoile, c'est que je traite tous les MP3 sur le même résultat. Tandis que le for, je vais faire pour et je vais prendre le premier MP3, je vais le traiter. Je vais prendre le deuxième MP3, je vais le traiter. Donc avec mon for, ça va me faire une boucle. Donc j'aurai pas du tout le même comportement. Je vais faire un RM ou un RF des répertoires. Ah, mon contrôle R en fait, ça met ah, ça met sur pause la séquence vidéo. Ah, je comprends. Il va falloir que je change pour que le contrôle R. C'est pour ça que ma vidéo était en.
Puisque en fait j'utilise CTRL R, on se rappelle, CTRL R c'est pour rechercher dans l'historique. Mais le problème c'est que, ouais ben oui, il faudrait que je le change pour une autre touche, hein, parce que CTRL R c'est important. Par contre je sais pas si je peux le changer live. Allez, CTRL G, tiens. CTRL R. Ah ouais, cool, ouais, c'est live, c'est magnifique. Ok, donc là, oups, hein, donc là on a tous les répertoires. Non, ça marche pas. Ouais, pour le plaisir, hein. Code moins D. Là, j'ai squeezé les espaces avec TR, parce que là, ce que je veux, c'est supprimer les répertoires qui sont là. Donc, je squeeze les espaces, parce que ici, il y en a un peu trop. Et après, je fais mon code avec les espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le champ 9, je vérifie, j'ai bien le résultat. Xargs, RM-RF. Hop. Et là, j'ai donc plus de répertoire. Ok? En fait, pas, ça vient au fur et à mesure là, mais on voit qu'il n'est pas trop compliqué, qu'on a l'habitude de l'utiliser. Ok, donc on va utiliser maintenant ma technique. Donc là, je vais juste refaire la création des répertoires. Ok, donc là, ls. Oups. Ah, il manque le l, c'est pour ça que je trouvais pas. Ok, parfait, les répertoires sont là, mais ils sont vides. Ok, donc MP3 info, moins P, pourcentage F, pourcentage G, ça y a pas de différence. Le retour de chariot, étoile.mp3. Ok. Donc là, on a l'ensemble des commandes. Voilà, il y aurait plein de manières de le faire. On peut faire ça super compliqué, comme on peut faire ça simple. Mais en fait, quand on regarde cette commande, la seule chose qui manque, effectivement, c'est le CP devant. Hein? Parce qu'à partir du moment où il y a le CP, il est là. C'est pas magnifique? Je peux le rajouter directement ici. Parce que le format, là, je peux écrire bien patate, là. Ça marche très bien. Mon formatage, je peux le faire comme je veux. Ok. Voilà. Après, bon, ça c'est mon premier truc. Donc là, j'ai la super bonne commande qui est là. Donc là, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pourrais même faire un move. Tiens, on va faire un move. Ben, ça va être encore plus facile. Move. Ok. Bon, maintenant, s'il y a quelqu'un qui a une idée, comment je pourrais lui faire exécuter ça? On va regarder le man là. Je veux juste qu'il lise chacune des commandes et qu'il les exécute telles quelles. Ouais, j'avais pas utilisé. Ah, peut-être avec X5, tiens, on va essayer. C'est une très bonne idée. X5. X1. Je pense qu'il va s'attendre à avoir une commande, on va voir. Non, il a pas aimé. Ah non, parce que il va falloir que je mette le XARG avec le moins L à ce moment-là. Parce que là, il va pas l'aimer là. Moi, j'avais pas le moins L à ce moment-là quand je l'ai vu là. Okay. Au niveau du exec, ça va juste exécuter 1. Ok, là on voit, ça c'est le code en C. Exec. Non, exec a pas l'air d'être disponible. Ah oui, exec. Exec ls. Wow. Non, il a pas aimé. Ah, c'est qui Non, non, il a carrément fermé mon truc. Le problème de exec, c'est que quand il lit le truc, après, il ferme de où ça vient. Enfin, il l'exécute, puis ouf, il se ferme. C'est pas très pratique dans notre cas. Ouais, je pourrais l'exé- ouais, effectivement, ou je pourrais le mettre dans un fichier et le lire après. Mais bon, là, l'objectif, c'est, je pourrais copier-coller les commandes aussi, hein. C'est d'un sens. Non, non, mais c'est pas. L'idée, elle est bonne, hein, en fait. L'idée, elle est pas mauvaise, là. Ok? Je veux pas utiliser le bug parce qu'on l'avait pas vu, en fait. En fait, ce que je vais faire, là, j'ai mon affichage. Et ça marche avec toutes les commandes. C'est pour ça que je désire vous le montrer, bien que vous m'avez trouvé, vous m'avez montré une autre solution, là. Mais ça marche, hein. De quoi?
C'est, on peut le déduire, mais non, je n'ai jamais, je l'ai jamais explicitement nommé. Allez, on y va. Okay. On se rappelle que ce que moi j'utilise actuellement, si je fais W là, non, je ne le vois pas ici. Si on regarde, en fait, ce que j'ai comme, j'ai une session bash, où on avait vu qu'on avait plusieurs shells qui interprètent les commandes. Okay. Donc en fait, ce que je vais lui dire, je vais mettre move pour la peine. Je vais pipe bash. Ah, je vais juste m'arranger pour que ce soit sur une seule ligne. Hop. Je l'ai pipé et je l'envoie dans un shell, dans un autre shell. Donc ça serait comme s'il va dé... Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça marche avec toutes les commandes, c'est ça qui est bien. Peu importe à partir du moment où tu as ton output là. Hop. Fait que là, on a notre shell courant, donc qui est l'environnement où on est, où on fait nos ls. Dedans, j'ai fait mon MP3 info. Oups, info, en tout cas, vous l'avez vu. Ah merde, excusez. Pourcentage F, puis pourcentage G, comme on avait vu. Et en fait, lui, ce qu'il va me donner comme résultat, donc qui sort au standard output, c'est l'ensemble des CP qui sont présents. Okay. Et lui, donc mon autre commande, mon pipe qui est là, et là, ça rentre dans un autre bash qui lui va prendre ce qu'il reçoit et il va exécuter les commandes une à une comme il l'a reçu. Et ce qui est bien, c'est que ça marche avec tout et n'importe quoi là. Parce que ce que j'ai un ou plusieurs arguments ou autres ou peu importe c'est quoi. Hop, et là il m'a fait ma copie dans mon reggae. Et ce qui est bien, ce qui est agréable avec ça, c'est que tu vois la commande avant. Fait que tu sais, si t'as quelque chose de tricky à faire, bah, tu vas transpirer, mais au moins tu vas l'avoir avant la commande. Fait qu'après tu la pipe juste dans bash, puis c'est fait. Il exécute, mais il exécute tout d'un coup en fait. Bah, ligne par ligne quand même, mais il va lancer le processus à nouveau shell, il va l'exécuter, il va le refermer. Ce qui pourrait être exécuté aussi en tant que sudo bash ou autre. Voilà, exactement. C'est bien? Donc ça, c'était une autre solution. Ça l'a démarré un bash et ça l'a fermé après. Mais oui, ça l'a ouvert un autre interpréteur de commande, un autre shell. Cool. Mais en fait, le XRG, il est bien même mieux là. Mais bon. C'est juste une autre méthode de le faire. C'est pour ça aussi que j'avais montré un peu plus tôt comment extraire le genre d'une autre manière qui est peut-être pas, qui est pas la meilleure méthode avec le pourcentage, le moins P là pour mettre le format. Ça, c'est la meilleure méthode. Mais juste pour montrer que, ah bon, ben, là, je l'ai fait avec dot field pour réussir à aller extraire avec le genre. Donc, c'est juste pour montrer que si t'as pas une solution qui est bonne, t'as un résultat qui est bon. Je veux dire. Après, c'est sûr que si tu commences à faire des programmes en bash, des trucs qui sont plus complexes que tu vas réutiliser sur plusieurs serveurs, oui, là, ça va demander plus de rigueur, il va falloir que tu améliores ton truc. Mais tu sais, là, on parle de, ah, je veux faire une commande à un instant T pour une opération X. Donc là, après, l'important, c'est que tu aies réussi à arriver à tes fins avec ce que tu voulais. C'est bon? Le LSEF, en fait, j'ai coupé le output. Hein. J'ai oublié de mettre output côté coupé là, mais il y avait beaucoup plus d'entrées que ça. Là. Voilà.
Vous voulez qu'on le fasse, lui, ou... Ouais, ok. Donc, LSEF. En fait, quand tu le lances comme ça, ça te liste tous les fichiers qui sont ouverts par les applications. Donc, on voit, il y en a énormément. Et c'est tout, que ça soit des fichiers de type régulier, que des pipes qui sont présents, des répertoires aussi. T'as tout qui est présent. C'est bon. Non, tu devrais avoir aussi les routes. Là, c'est sûr que... Ouais, tu vois, j'en ai un peu à route, mais j'ai pas nécessairement les droits de voir l'ensemble des informations. Mais on en voit quand même qui sont très à route, là. Ça peut être pratique quand tu essayes de déboguer aussi, là. Ça peut être un bon outil à voir si il a essayé d'ouvrir, s'il ouvre un fichier, s'il y a quelqu'un accède. Si on essaye de démonter un périphérique, exemple, si je fais un umount de home, donc si j'essaye de démonter mon home, actuellement je suis moi-même dans mon home. Il est supposé me dire que, bon, là il me dit comme quoi le device il est busy. Pourquoi? Parce que j'ai des logiciels qui accèdent à ce répertoire-là. Là, c'est facile parce que je sais que c'est moi. Par contre, avec LSOF, ça me permettrait de dire, bon, ben, grep, home, qui accède actuellement? Quels sont les processus qui accèdent au répertoire home? Donc, à partir du moment où je les ai trouvés, je les tue, puis je peux démonter le device. C'est un des exemples qu'on peut voir. Donc, si on regarde le header de LSOF, donc là j'ai juste affiché les premiers, on voit le premier champ c'est la commande, et après j'ai le nom du processus, là, du répertoire qui le prend, et le user. Je pense que j'avais demandé juste cat bon, détourner, je m'en fous parce que je prends juste le premier. Donc, je vais avoir l'ensemble des noms des processus. Ok. Là, je dois sortir, mais si on regarde, je vais aussi vouloir enlever l'entrée commande. Hein? Parce que sinon, ça m'en fait un de plus inutile. Grep-v commande. Donc, une recherche inversée pour pas qu'il me sorte le commande. Je vais faire un grep-v de LSOF aussi, parce que LSOF avait été affiché. Et là, je vais faire un sort unique. C'est quoi l'option pour qui compte? C'est. Et là, je pourrais sorter ça aussi pour avoir un output. Il faudrait que j'enlève le côté unique. Ah, le sort il est pas bon parce que j'ai pas mis moins n. Et voilà. Donc Firefox ouvre actuellement 596 fichiers. Ou device, peu importe. Là, ça peut être des accès mémoire aussi. C'est bon? Voilà. Ce qui nous amènerait à ce que jeudi on fasse introduction, hein. Je vais pas tomber dans la programmation bash, vraiment pas. Mais on va juste voir deux trois comment faire un script bash, donc comment mettre deux lignes dedans. Présentation de la book for, juste pour montrer c'est quoi, hein, pour pouvoir utiliser un for. On tombera pas dans le détail,
Tout ce que je veux faire, en fait, pourquoi je veux présenter ça, c'est qu'après, je veux qu'on voit YouDev, donc encore pour les périphériques, pour faire la démonstration que, exemple, j'ai une clé USB ou un disque dur externe, je le branche et ça démarre un script de backup, un script peu importe, mais de voir l'automatisation de je branche le périphérique et il y a une action qui s'exécute et tant qu'à faire on va faire un petit script donc trois lignes là, on s'en fout là ça a vraiment peu d'importance mais c'est juste pour que ça soit une introduction pour voir comment le faire éventuellement dans la deuxième partie Linux 102 là, on fera parce que en fait ça mettra fin à la formation là. Si on se rapporte au planning, tu vois,